Good morgen, allez, Iden et Tusra, aujourd'hui, l'Irm Fouatra et Rivka Batlea, Sarah Bat Nechama et Hanalea Bat Getel de Vorabetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Psarim Prekhe Mishnah Yud, Krao Vehotsi et Mourav, Netano Bamagis Vehiktiran Algabei Amisbeach, Yatsta Katrishona Vehashvala Beharabait, Shnia Vachel, Vashlishit Bim Koma Omedet, Hashecha, Yatseu, Vetsalu et Pisrael. Je reprends le procédé qu'on a eu depuis maintenant, la Mishnah. Hey, on avait commencé. L'histoire que, comment apporter le Korban Pessah avec tout le Ham Israël, tout le rituel. Comment, autour du Misbeach, il y avait des rangées de Kohanim, on faisait la Shrita des Korbanot. Les Kohanim récupérés, ils faisaient passer à la chaîne le sang pour aller la sévager sur le Misbeach, et on voyait le Kli vide pour que le prochain puisse déjà faire la Shrita et récupérer le sang. On avait appris qu'il fallait le faire en trois groupes. On avait appris aussi qu'en trois groupes, faire entrer au moins trois groupes dans la Hazara. Et après, dans la mission précédente, on avait déjà commencé à parler, maintenant plus concrètement, comment il fallait dépecer l'animal, lui enlever la peau pour pouvoir retirer des graisses. D'accord? Maintenant, alors la Mishnah maintenant, la Mishnah précédente, elle ne m'a pas dit de sortir les graisses. Elle m'a juste dit comment pour le moment suspendre, elle m'avait enseigné, comment suspendre l'animal pour pouvoir le dépecer. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, Krao, il le déchirait, il déchirait le ventre, quoi. Veotsi, Emurav, et il faisait sortir les Emurim. Les Emurim, ça veut dire les graisses. Ça vient du mot, les morts, dire ce qui a été, et pour y retirer ce qui a été prescrit. Les graisses qui ont été prescrites, en fait. D'accord? C'est le mot Emurim. Et Netano Bamagis, il fallait les mettre dans un plateau spécial pour, en vue de les faire monter sur le Misbéar. Victiran à la gamme Misbéar, et les Kohanim le faisaient monter sur le Misbéar. Il le faisait monter tout de suite même. D'accord? Ils n'attendaient pas Yom Tov pour le faire, tandis qu'ils pouvaient le faire pendant depuis le Chol. Il y a une exception. Je le dis vite, on le reverra plus tard. Il y a les graisses en général. Dans un korban classique, on les faisait dans l'après-midi du 14. On faisait monter toutes les graisses et pas à Yom Tov. Lorsque le 14 tombait à Shabbat, alors on attendait la sortie de Shabbat pour pouvoir la nuit du 15. C'était le seul cas de figure où on faisait brûler les graisses. Durant la nuit du 15. Donc, Netano Bamagis, je reviens maintenant, il les a mis dans le plateau, ce plateau, le Magis, c'est une Kehara, un plateau, un récipient, Vektiran al-Gabé Amisbéar, et il le faisait griller sur le Misbéar, il le montait sur le Misbéar, et il le mettait là-bas, sur le feu. Yatta, alors maintenant, attention, on n'a pas prévenu, mais en fait, on revient sur l'histoire du Shabbat. Yatta Katarishona Yashvala Beharabait. Le premier groupe qui était rentré, il ressortait, il s'asseyait au Harabait, sur le mont du temple. Shnia Bachel, la deuxième, c'était dans une... j'ai pas de mot pour traduire le mot Chel, c'est une zone tampon, qui est un peu entre Harabait et la sortie de la Hazara. Je vais expliquer après, bien sûr, évidemment, un peu mieux. La Shlishit Bimkoma Medet, le troisième groupe, restait à sa place. Hasheicha, lorsque la nuit tombait, Yatseu, Vetzalo et Pisraim, ils sortaient et ils allaient griller leur Pessah. On parle du cas particulier où on venait apporter le Korban Pessah à Shabbat. Soit, en temps normal, une fois qu'on a fini le Korban Pessah, il fallait le faire en trois groupes. Le premier groupe, dès qu'ils ressortent avec leur Korban Pessah, ils le prenaient, ils allaient directement chez eux à la maison, et ils commençaient déjà à le préparer et à le faire griller même. Il fallait que la nuit qu'il soit déjà bien, que le feu il est déjà bien pris, comme ça, on s'assoit, on raconte la Haggadah, puis après on commence à manger le Korban. On n'attendait pas la nuit pour commencer à griller. À une exception, lorsque ça tombe pendant Shabbat. Ça tombe pendant Shabbat, on ne peut plus le faire cuire pendant Shabbat. Mais pire que ça, on ne pouvait même pas rentrer à la maison avec le Korban Pessah. Donc tous les gens avaient le droit de venir parce que, comme ce qu'on va le voir longuement, dans le prochain Pérec, on a le droit de transgresser Shabbat pour faire le Korban Pessah et tout ce qui est nécessaire. D'accord? Donc en l'occurrence, on va venir avec l'animal à Shabbat, on va lui faire la shrita pendant Shabbat, on va lui ouvrir le ventre pendant Shabbat, on va récupérer les graisses, on va les garder en attendant la fin de Shabbat pour le faire monter sur le Misbéar, mais après on ne pouvait plus reprendre l'animal, le mettre sur l'épaule et repartir. Il y a un interdit de, peut-être de porter, tant qu'Carmélite, c'est discuté, il y a un long, ça parle longuement, exactement quel était l'interdit. Est-ce que c'est juste une xéra que Chachamim ne veulent pas que tu portes dans le Carmélite? Parce que Yerushalayim elle-même n'était pas considérée comme un Rechut Arabim. Les portes étaient fermées la nuit, donc ça annule le statut de Rechut Arabim. Malgré tout, il y a un interdit peut-être de porter dans la rue. En tout cas, concrètement, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il y a un autre avis qui nous dit que c'était par rapport aux femmes,
que si toutefois tout le monde va rentrer à la maison avec le Korban Pessah, la femme elles vont commencer à se dire, ah alors on a le droit de préparer Pessah, les parents Shabbat ils vont se mettre à allumer le feu, c'est interdit, tout ce que tu peux, tout, c'est plus, puisque c'est plus nécessaire pour Shabbat, pour faire le Korban, tu dois attendre la sortie de Shabbat pour le faire, d'accord? Selon le même principe, donc le Korban Pessah, une fois qu'on a fini de lui faire la Shrita, il fallait le faire en trois groupes, même le Shabbat, mais lorsque le premier groupe, il était obligé de rester bloqué dans les alentours du Misbéar, du Beth Amikdash. Donc en fait, il restait au Har HaBait, au mont du Temple, la partie la plus externe. Il y avait trois Gdushot. La deuxième groupe, il restait Bacheil. Cheil, c'est une zone qui se trouve entre le Har HaBait et la Hazara elle-même, le lieu du Beth Amikdash. Il y avait une zone intermédiaire, il restait là-bas, le deuxième groupe. Et le troisième groupe, il restait dans la Hazara, Bimkoma Omedet. Il restait debout dans la Hazara, entre parenthèses, et un joli petit diouk qui rapporte Rabbi Akiva Eger, au nom du Roshanui. Si vous faites attention, on parle du Yashva ve Omedet. Vous savez que dans la Hazara elle-même, on n'avait pas le droit de s'asseoir. Il n'y a que les rois de la dynastie de David qui avaient le droit de s'asseoir dans la Hazara. Tous les autres, obligés de rester debout. Tandis que dans Arabaït, si on voulait, on pouvait s'asseoir par terre. Donc du coup, on était dans l'après-midi du 14 Nissan, c'est Shabbat, il y avait peut-être du soleil même. On n'avait pas envie de rester debout pendant une heure et demie, c'est un peu dur, on avait envie de s'asseoir par terre. Alors, dans le Arabaït et dans le Khel, tu avais le droit de t'asseoir. Par contre, dans la Hazara, tu n'avais pas le droit de t'asseoir, tu étais obligé de rester debout. Du coup, la Mishnah insiste, elle nous dit, Yashva, Arabaït ou Bachel. Les deux premiers groupes, ils pouvaient s'asseoir, même dans le Arabaït et dans le Khel. Tandis que la Shlishit, Bimkoma Omedet, elle restait debout à sa place, parce qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir. Ça, c'était la petite parenthèse de Rabbi Akiva Eger. Donc, interdit d'entrer à la maison, ils attendaient patiemment, jusqu'à que Hasheicha, une fois que la nuit tombait, alors là, Yatsu, ils sortaient tous maintenant du Bet Amikdash pour Vetzalu et Pisraen. Et ils allaient commencer à griller le Korban Pessah pour pouvoir le manger grillé, comme ce que la Torah nous a imposé, et qu'on le retrouvera plus longuement dans le prochain Brakim, Bezrat Hashem. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol. Tout cela.